Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rocksteady Revolution. C'est l'heure de se préparer pour les élections. On est pas trop mal je pense, hein. On a une approbation vraiment pas dégueulasse sauf à Carif et on y travaille. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on soit réélu. Si tout va bien bien sûr, hein, si ça ne part pas en sucette. Ici on va passer en impôt progressif parce que ça y est on peut le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Interdiction d'entrée, il nous faut des travailleurs. Hein. Donc je pense qu'on va partir sur les visas de travail. Ici, pour terminer nos points, il faut qu'on fasse venir des gens. Parce que sinon, c'est un petit peu la merde, très clairement. Ensuite, l'hôpital, il nous reste 2 mois. Il faut qu'on arrive à monter à 8 pop ici en 2 mois, ça va être chaud. Ça, il nous reste 4 mois, c'est jouable, se préparer pour les élections, et le service de santé ici, il y a moyen, on a augmenté le budget, donc il y a moyen que ça passe. C'est parti, on a de l'argent pour l'instant, il va peut-être être temps d'ailleurs de refaire un petit coup de ressources naturelles, là. Si on pouvait choper une petite mine d'or, ça serait franchement agréable. Le chômage monte en flèche, de quoi? Le peuple a de moins en moins confiance en notre capacité à gérer la fragile économique du pays, foutez de ma gueule. Baisser les impôts sur les entreprises. Subventionner nos exportations. Blâmer l'immigration illégale. Lancer la construction d'un immense projet de travaux publics qui nécessite des milliers de travailleurs. Ah oui. Bah, plus 20 au plan au Basenji, franchement... on va prendre même ça, c'est pas mal, mais c'est pas non plus dingue, quoi. Enfin, ça serait cool, mais sans plus. Du coup, on l'a pas eu. Mais on a bien fait de gagner notre thune, 20 travailleurs avec un peu de bol, on va en avoir... pas là. Et bah tant pis. Par contre du coup ici, il y a de nouveau une dèche de travailleurs. Ils se sont rééquilibrés mais dans les mauvaises provinces c'est con. Pourtant il y a de la prospérité, de l'éducation, ça devrait les attirer. Donc du coup on a réussi à terminer instantanément sa recherche à lui. On va partir là-dessus, parce que c'est quand même assez pratique ça, hein. Je vous l'avoue. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un astéroïde qui m'est tombé sur la tronche. J'aurais été content d'avoir fait cette recherche. Oh, une petite ressource naturelle juste à côté, dis donc. Allons-y. On va utiliser ça, je pense, sa faveur pour améliorer une unité militaire, quelque chose du style. Allez, prospect, du pétrole, ouais, c'est pas fou. C'est clairement pas fou. On n'a pas un besoin... enfin, on en exporte plus que 80, vous me direz, hein. C'est vrai qu'on arrive doucement en dèche. Ça serait peut-être pas si mal. Alors, on peut améliorer celui-là. Elle peut assassiner des sympathisants rebelles. Pour l'instant, c'est pas super utile, hein. Leclerc... Je pense qu'on s'en fout un peu de l'améliorer. Ça fait quoi? Les effets de tous les édits sont doublés. Ok, c'est la justice. Ce sera plus probablement le journaliste qu'on améliorera si on a des faveurs de la justice. Ce qui, j'espère, va être jouable, même si ça devient tendu quand même. Toi, t'es au niveau max. Les unités militaires, on peut améliorer. Hein. C'est quand même toujours intéressant d'avoir des unités militaires un petit peu boostées. Là, plus 1 PV pour les mortiers qui ont que 2 de vie, c'est quand même pas dégueulasse. Je crois que c'est nos hélicoptères là, ça fait quoi si on les remonte en plus? Plus 1 d'attaque contre mortier. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais plutôt non. Mais ça, on peut pas améliorer, non. La défense, est-ce qu'on peut améliorer des choses genre là ou là? Pas vraiment. Non, bon, on va améliorer notre mortier. Allez, c'est parti. C'est tellement la dèche en termes de... Tiens, c'est marrant, on a réussi à me passer ici à 5, mais c'est redescendu instantanément à 4. Pas de chance. Après, on pourrait le construire, hein, juste pour avoir le bonus, hein, ça serait fait. Tant pis, hein, il sera fermé instantanément, mais... Ouais, bah on va le faire, hein. De toute façon, on va pas débloquer 8 travailleurs comme ça demain, quoi. C'est pas possible.
Alors ça débloque directement sa politique, mais ça nous sert à rien vu qu'elle est elle est pas là. On pourra l'activer au prochain tour. Et avec la citoyenneté, on peut améliorer ça, je crois, non? Ouais, ça. Bon, il faut de la thune, ça ferait quoi? Première entrée, un nombre de réfugiés augmentera légèrement le score de sécurité internationale. Ouais. Nouveaux immigrés par mois 1, valeur des exportations. Ouais, c'est pas forcément absolument nécessaire hein, comme truc. Alors, toi, mon cher, vu que t'as fini, pareil, tu vas aller par là-bas. Alors, c'est quand même pas mal rural comme coin, tu vas aller ici. Histoire de travailler sur ces petits villages-là, ou même là, tiens, plutôt. Tu vas aller là. Viens là. Tu vas aller ici, comme ça, t'auras plein de petits villages autour de toi. On a beaucoup de renseignements, on pourrait pas faire des trucs. Genre là, la petite recherche. Ici, on a découvert qu'ils sont intéressés par le règne des lois. Ok. Pourquoi pas. Là, on a une sécurité internationale de 6+, donc on pourrait éventuellement améliorer ça, mais il nous faudrait un meilleur port. Et ça, c'est pas facile à trouver. Qui c'est qui fait rien? Notre agent de renseignement, il ne fait rien. On va faire un petit tour dans le coin du pays là. Et le journaliste, parfait, tiens, un petit événement. On n'a pas beaucoup de sous, j'espère que ce ne serait pas un truc payant. J'ai des preuves photographiques du ministre Badou en vacances en amoureux à Chimaran avec l'un de ses collaborateurs. J'ai pensé qu'il serait courtois de vous le faire savoir avant de décider de faire courir l'histoire. Bah c'est sa vie privée, hein, on peut faire quoi? Nous devons enquêter s'il s'agit d'un abus de pouvoir. Ah oui. Approbation des religieux et des conservateurs. Non, c'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut. Hein. On peut espérer que c'était pas un abus de pouvoir, on va dire. Mais... Allez, il nous reste quelques villes en avant. Du coup, on a une satisfaction avec lui. D'accord. C'est cool, hein, parce que s'il est satisfait, les Carifis sont satisfaits. Si les Carifis sont satisfaits, il est satisfait. Et donc, nous sommes satisfaits. Ministre de la Justice, bah du coup ça tombe bien. Reviens là toi. Hop. Bim. Donc c'est gratos, hein. Enfin ça coûte juste une faveur grâce à son pouvoir. Ce qui est pas si mal. Et du coup si on arrive à ce truc là, on aura notre journaliste de niveau 3. Et ça, ça fait bien plaisir par contre. Très clairement ça fait bien plaisir. La santé à Saba c'est un vrai problème, même niveau 7, hein, ça. Après, peut-être que l'hôpital est fermé, du coup c'est pour ça que c'est parti en sucette. Bah, pas vraiment. On pourrait faire notre petite raffinerie de pétrole ici. Non, ça coûte trop cher. 30, et on a que 25. On pourrait faire le consulat de la Chine. On va le faire. Ce sera fait. Ça coûte que dalle, que ce soit en ressources et tout. Et ça va nous permettre de travailler un petit peu avec la Chine. Et notre dernier point, on va en faire quoi? On va te faire courir un peu toi. Allez, viens là. Et c'est parti, on passe le tour. Je n'ai pas de te bouger toi. Pardon. Bon, les clercs ils vont se déplacer à leur vitesse de clerc. Hein. Apportez-nous le roi, j'ai vu. Hein. Qu'est-ce que c'était que cette phrase là? Ah, y a beaucoup d'immigrés dans le coin. Ce n'est pas pour me déplaire, c'est quoi ça? Je sais pas. Peut-être dire qu'il est religieux. Alors peut-être que c'est un qui a été converti vu qu'il est libéral. Il a peut-être été converti par un clerc. C'est peut-être ça que ça veut dire. Je ne sais pas. Ici, il y a deux travailleurs de plus. C'est bien. Et si on arrive
tranquillement à 50% de moi, ouais, ça va être tendu quand même. Hein. Attends, elle est pas revenue encore. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire? Ça, ça fait un peu chier quand même. Priorité à la sécurité. On va partir là-dessus. Là. Diminuer un peu la corruption, ça serait pas mal. Mais elle, elle a rien fait. Hein. Elle a même pas réussi à chercher le dictionnaire du Poulénistan, quoi. Tu m'étonnes qu'elle se présente contre nous, elle est nulle. Elle est nulle! Alors ici, c'est pareil, on pourrait peut-être changer ça. Internet libre. Régulation. Régulation, ce serait bien déjà. Ça relâcherait un petit peu la pression sur les gens, même si le divertissement est déjà très haut. Alors, notre petite agente de renseignement. Pour l'instant, tu vois toujours rien du tout. Rends-toi par là. Yes. Et toi, t'as assez de mouvement, alors tu vas, oui, tu vas aller là, ça sera très bien. Ça se passe pas trop mal, hein. Les gens nous aiment globalement bien, on a une bonne, un très très bon income. Même le renseignement, c'est pas trop mal. Excellent, j'ai fait des recherches, il semble que le ministre Elfezel possède une société de portefeuille importante qui n'a pas payé d'impôts à notre glorieuse république en 5 ans. Je ne sais pas pourquoi cela est passé si longtemps inaperçu, il y a peut-être des fonctionnaires de la fonction publique qui sont impliqués. Alors... Ne révélez pas l'histoire, je vais enquêter, plus 1 de faveur et plus 20% de loyauté. Ne révélez pas l'histoire, il va payer, on reçoit de la thune. Révélez l'histoire, personne au-dessus des lois. Moins 4 de corruption et plus 1 d'état de droit. Révélez l'histoire, nous avons besoin d'enquêter sur les personnes impliquées. C'est le même résultat là. Et on va enquêter. Moins 4% de corruption, ça se refuse pas. Alors c'était qui? C'était lui. J'ai un peu de mal à savoir à chaque fois de qui il parle avec les noms. Je suis complètement nul en noms. Alors, qu'est-ce qui a été désactivé? L'usine. Merde. Bon, de toute façon, il en fallait un. Hein. L'usine et le port. Parfait. C'est la merde. Toi, tu reviens là. Très bien. Les routes, ça donne quoi? Ici, ça... fait un peu la merde ici, bah ouais, ici le problème c'est que du coup ça on peut pas vraiment l'améliorer, c'est toujours chiant avec ce bâtiment là, j'aurais peut-être pas dû le faire là le truc. 33% on va l'améliorer un peu, ici c'est pareil, 70% on va se permettre de mettre un petit autoroute des familles, une autoroute des familles, ici on s'en fout, ici 2% on a foutre. Ici ça va tranquillement. Panneau solaire. Ouais. Le problème c'est que on pourrait faire des choses pour éventuellement essayer d'attirer les gens là, mais il y a personne pour bosser dedans, donc c'est un petit peu chiant. Sinon, il faudrait que je déplace des bâtiments, genre déplace cette fonderie, par exemple à Carrick. Ouais, on pourrait faire ça. La fonderie, c'est combien de personnes? Attends, c'est qu'une seule personne la fonderie, quoi. Ça sert à rien. Et l'usine? L'usine, c'est 2 personnes. Ça serait un petit peu plus intéressant de déplacer une usine. Genre, on la met là. Et c'est ce truc-là qui est fabriqué, hein, on est d'accord. Et on va virer cette usine-là. En plus, ça fera un peu moins de pollution. Voilà. Ici, ça serait intéressant un hôtel ou pas? Ouais, éventuellement. Petit hôtel là, peut-être. Ah non, putain, c'est...
Il faut des plaines, c'est que de la foutue caillasse. Du coup plutôt là, et là c'est un peu moins ouf, hein, éventuellement là. Non, c'est de la caillasse aussi. Je pourrais le mettre là, mais le problème c'est que ça va être très compliqué parce que je pourrais pas construire par ici pour améliorer la l'attractiveness. Et ça c'est en dehors de la province. Donc bah non, tant pis, il va falloir qu'on attende un petit peu qu'éventuellement les villes s'étendent sur des zones pas caillouteuses. C'est pas hyper grave. Toi tu vois toujours que dalle, hein, ça a pas changé. Excellency. Attends, il te faut 8 mois avant que ce truc là devienne disponible. Et on a réussi à réduire un petit peu la pression de 4, c'est pas si mal. Les stations balnéaires c'est 4 personnes aussi. Hein. Vu ce que nous rapporte cet hôtel, on pourrait peut-être se permettre de le détruire en fait, tout simplement. On l'a amélioré, c'est ça qui est chiant par contre. Ouais. Ouais, non, on va pas le détruire du coup. On pourra détruire des trucs inutiles, genre là il y a encore une petite usine, non c'est une fonderie ça aussi. Ouais, bah on va détruire ça. Tant pis. Hop, une fonderie et une autre fonderie. Voilà, on va les reconstruire ailleurs. Et ça sera dans le coin là. On va la construire juste à côté de la mine. Dans la caillasse en plus, ça peut se construire sur les caillasses. Donc une comme ça. Et Ruma, il y a un très bel environnement du coup, mais on vient de détruire là-bas, on va pas reconstruire là-bas. Il n'y a personne pour bosser. Et on va en faire une autre là. Construire ça, voilà, parfait. Commencer à fournir un peu de travail à Carrick. Et ici encore moins 2, mais on peut pas vraiment détruire d'autres trucs. Hein. Faudrait qu'on détruise l'hôpital, le jardin public qui fait rien, ou l'hôtel, voire le port. Le port, on pourra le remettre là éventuellement. Mais... ça augmente pas mal la prospérité quand même. Hein. Non, on va, ça va s'équilibrer, moins 2 ça va, moins 2 c'est con, ça peut se compenser quand même. On va pas non plus se plaindre. Et je pense que en termes de dernier truc à dépenser, on va faire un petit blindé et on va l'envoyer couvrir cette sympathique petite ville. Voilà. Je regarde un, garde un oeil là-dessus aussi. Hein. Parce que mine de rien, 120 sur 77, 88 sur 82, là ça va devenir tendu. Il va falloir que j'en fasse une deuxième. La bouffe, il n'y a pas de problème particulier. Honnêtement, ça va. Allez, on passe le tour. On va voir si on arrive à faire les élections aujourd'hui. Ces gens se déplacent, pas de soucis. Alors, la célèbre actrice Ilia Zania va être la star d'un film américain immoral qui se moque de nos coutumes. C'est inhabituel, mais il serait peut-être bon de faire une déclaration à ce sujet. Révoquer son passeport, hein, carrément. Si elle aime tant les États-Unis, elle n'a qu'à y rester. Bah, c'est un peu chiant qu'elle se moque de nos coutumes, mais bon, non, on est sur. C'est pas que c'est pas important, mais on pourrait faire une déclaration en mode voilà, liberté d'expression, tout ça. La demande d'objets de luxe monte en flèche. Kachara, nous espérons que vous serez en mesure de nous aider. Pourriez-vous leur en fournir 46 chaque mois? 46, c'est beaucoup 46. Là, on est au taquet ici de ce qu'on peut faire. On en importe même. Comment ça se fait? Parce que on n'a pas des masses de d'or, hein, malheureusement. Et là. On en exporte 35. J'imagine pas qu'à eux. Ah si, que à eux. On peut en exporter jusqu'à 60. Donc il faut qu'on augmente notre production. Alors on va regarder après le tank bipède. Mais donc ici on travaille à fond du coup. Ok.
et l'usine elle est où? Elle est là. Alors du coup ça fout un peu la merde sur la circulation j'imagine. Ouais voilà, 48% ici. 68% ici. On va devoir améliorer les infrastructures. Forcément puisque tout le monde circule par là d'ailleurs, on pourrait même faire une petite déviation. Je pense qu'on va claquer un point pour ça. Pour passer par là. On a pas mal de sous, donc on se permet. Hop, hop, voilà, ça va leur aider. Parce que là forcément hein, c'était un peu le drame. Ça c'est à l'arrêt, connexion requise pour une fonderie ayant besoin de ressources. Quoi? On n'a pas assez de fonderie d'aluminium? Merde, bah c'est parti du coup. On va en faire une plutôt par là, du coup, en ce cas là. Par exemple ici, il y a une bonne infrastructure routière, c'est central. Une fonderie, voilà. Alors toi, tu avais terminé l'amnistie, on va l'activer immédiatement. Et donc tu travaillais sur rien. Perspective carifie. Visa touristique étendue, ouais, ça me va ça. Non, tu veux pas. Bon, du coup non. Ça tu voudrais bien. Interdiction du vote des immigrés, sécurité dans les aéroports, droit du sol. À quoi alors? Partons là-dessus. Qu'est-ce qui t'arrive toi? T'as enfin terminé le dictionnaire du Poulénistan. Quand même, ça servait à rien mais bon. Augmente la note de tous les hôtels. Base NJ ça vous gagne, augmente les revenus. On va travailler sur le luxe avant tout. Et donc toi, citoyenneté, on n'a pas dépensé ta faveur ou t'en as gagné une autre, je sais plus. Ici, on va lancer la suite. Ah, il faut qu'on commence à récupérer des petits trucs qui illégaux qui font que les États-Unis ne vont pas être hyper jouasses. Mais tant pis, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut du coup direct lancer? Ouais, on peut lancer direct. Hop. Ça, on peut pas par contre. Peut-être qu'il nous manque un truc. Mais on peut rajouter un canon électrique sur notre méca. Et ça, c'est quand même la classe. Je vois pas pourquoi ici il n'y a pas de connexion par contre. Ça m'échappe. Soit c'est là depuis super longtemps et je l'avais pas vu, soit c'est apparu pour une raison que je ne comprends pas. On va voir si ça se recalcule au prochain tour. Notre journaliste, en attendant, elle peut aller faire une petite recherche ici. Excellent, j'ai trouvé des preuves que le maire de Bakige a acheminé de l'argent des contribuables à travers une série de comptes non marqués dont la destination finale semblait des trafiquants d'armes. Le problème qui utilise notre propre argent pour financer l'armement du Front de Libération du Passanji. Alors, on pourrait l'exécuter, mais on n'a pas ce qu'il faut. On peut le faire arrêter et l'inculper de complot, on peut lui offrir l'amnistie. Non, non, on le fait arrêter. Et on le fait accuser de complot, carrément. Ici, il reste un mois, ça pourrait passer. Ça pourrait passer, honnêtement. Ici, on va faire la dernière ville qui nous reste avec notre journaliste. Et qu'un peu de bol, on pourrait l'améliorer. Toi tu te déplaces. Ça c'est les ressources naturelles, le port. Bah, on va améliorer un poste aux frontières ici là. Alors, si on peut pas faire rentrer un petit peu plus de monde, ça serait pas mal. Ensuite, il faut qu'on améliore notre production de ça. Alors déjà, on voit que nos fonderies elles foutent rien parce qu'on n'a pas d'or. Est-ce qu'on pourrait pas augmenter notre importation? On est au max ici. Ici. On est au max aussi, mais on pourrait importer... Ah non, 160. 160, c'est le maximum, hein. 80-80, ça fait bien 160.
Donc là on importe. Par contre on pourrait importer peut-être plus. Non, même là, là, 160 de 140 plus 20. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux en termes de production. Et ça c'est la loose. Bon après on en produit 120 là. Ce qu'on pourrait faire juste pour réussir notre objectif, c'est de dire. Voilà, on importe en priorité, on exporte en priorité. Alors attendez, non. Ce qu'on va faire avant, c'est regarder. C'est combien de temps qu'il nous faut? 8 mois. Donc on va se calmer. C'est bientôt les élections. On va pas énerver les gens. On va se contenter de ça pour l'instant. Ah, on a réussi à récupérer un petit peu de pop ici. Ça va aider un peu. Ça va clairement aider un peu. Ah, il pète hein, cet hôtel, hein. Il pète bien. Score des 3 doigts élevé, accès à l'aéroport. Ah, c'est bien tout ça, c'est bien. Ça me plaît bien. Par contre, ouais, ça c'est un petit peu la loose. Hein. On peut pas récupérer plus. Toi, tu fais rien de plus. On pourrait construire notre petite raffinerie de pétrole ici. Ce serait fait. Voilà. Juste à côté de la ville, hein, parce qu'on n'est pas là pour s'emmerder. Et du coup, ça nous coûte pas cher, on va faire un petit lieu sain. Je sais même plus s'il y a besoin de route en fait. Je l'avais construit là-bas en me disant comme ça j'aurais pas de route à faire, mais non, il n'y a même pas besoin de connexion routière. Donc ici c'était un échec celui-là. Monsieur, je le virer. Je vais carrément le virer. Ah, ça a viré la route, parfait. Et on va en faire un autre là du coup. Voilà. Alors, vous en êtes où? Toi t'arrives bientôt. Et ton pote, il arrive bientôt mais pas tant que ça. Donc on va utiliser notre dernier point pour construire un dernier lieu saint. Ça va booster un petit peu l'approbation des religieux, ça va pouvoir nous donner le petit bout. C'est quoi ça? La pollution fait baisser notre taux environnemental ici. Ah bon, à ce point là? Ah ouais, bah ouais, forcément quoi. Ça, l'aéroport plus les usines juste à côté, mais bon, à un moment, hein, faut travailler aussi. Allez, on passe le tour. On doit approcher des élections, peut-être un ou deux mois près, je sais plus. Je crois que c'était marqué là, faut que je regarde. Votre Excellence, les conservateurs à Saba se plaignent que l'anglais est enseigné aux enfants à l'école. Ils craignent que ça ne participe à l'érosion culturelle de notre pays et l'américanisation de la jeunesse. Mais non, bon, c'est bon l'anglais, enfin voilà. Déjà, c'est effectivement un monde où tout le monde parle anglais, et en plus, ça reste quand même l'anglais. Enfin, apprendre une langue, si on commence à se dire que toutes les langues étrangères détruisent la culture du pays, on n'est pas sorti du sable. Hein. Et on a réussi ici. Et ça, ça fait plaisir. Hein. Du coup, il a adopté une loi que j'avais pas forcément envie qu'il adopte, mais c'est pas grave. Il a fait deux lois d'un coup. Donc on va pouvoir activer les accords d'extradition. Et vu qu'il nous aime beaucoup beaucoup, on va partir sur ça, même si ça a baissé un petit peu sa loyauté. C'est pas grave. Et on a une faveur du ministre de la Justice, on va immédiatement améliorer elle. Et là maintenant... Les bâtiments inspectés n'auront pas de corruption pendant 6 tours supplémentaires. Ah, ça a changé. Avant c'était gratuit la corruption, mais là du coup ça augmente l'efficacité de l'anticorruption. C'est pas grave, c'est quand même pas mal. Et donc ça c'est toujours buggé par contre. Hein. Alors il y a une connexion routière pétée quelque part. Je comprends pas. On va la faire venir jusqu'ici la route, voilà, ça coûte pas cher non plus. Alors toi, j'ai trouvé un rat, ou plusieurs colonies de rats dans quelques paillaclis restaurants appartenant au ministre Alfezal. Après quelques recherches, on sait que chacun de ces restaurants avait réussi ses inspections de santé et de sécurité. Mais pas un seul inspecteur n'a été effectué à aucun d'entre eux. Oula.
Je n'ai aucune preuve d'échange d'argent, mais il est clair que le ministre utilise sa position au sein du gouvernement pour contourner nos règlements. Dérouler l'histoire. Bah bien sûr, on déroule l'histoire. Pas déconner, mec. T'arrêtes tes conneries un peu. Ça suffit. Alors, est-ce qu'il nous dit c'est préparé pour les élections? Nanana, la période d'élection a commencé. Suggestion, ne faites aucune bavure pendant les prochains mois. On sait pas quand est-ce que c'est. Je pense que ça doit être probablement le prochain, voire celui d'après. Mais l'épisode est suffisamment long, donc on va s'arrêter là pour cette fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.